d'Europe dont la capitale est Berlin. Après la Seconde Guerre mondiale, ce pays a été divisé en deux, mais il sera réunifié en 1989. Il est composé de 16 États que l'on nomme des Länder. Jusqu'en 2021, c'est une femme qui fut chancelière du pays. La Bavière et la Forêt Noire sont deux grandes régions montagneuses. Et le pays est traversé par deux grands fleuves, le Rhin et l'Elbe. Deux grands compositeurs de musique classique sont allemands, Bach et Beethoven. Voici l'instant, l'histoire de l'art. Ludwig van Beethoven naît en 1770 en Allemagne dans une famille de musiciens. Son père est ténor. Il apprend le piano, le violon et l'orgue. En 1787, Beethoven rencontre Mozart à Vienne en Autriche. Puis il est déclaré meilleur pianiste viennois lors de joutes musicales. En 1802, il découvre qu'il devient sourd, mais continue à composer. En 1804, il écrit sa symphonie héroïque dédiée à Napoléon. De 1809 à 1826, il se lance dans l'édition musicale et vend ses œuvres plus offrant. Il mourra en 1827, seul et totalement sourd. Il a composé des sonates, des concertos, des symphonies et un opéra. À présent, observons ensemble pour comprendre la notion. De manière générale, les mots féminins terminés par le son « et » s'écrivent « e » accent aigu « e », comme dans les mots « idée »,« fait »,« penser », »,« arriver ». Les mots féminins terminés par « t » ou « qui est », en règle générale également, se terminent par « et » seulement, comme dans « amitié »,« célébrité »,« liberté » ou « surdité ». À présent, faisons le bilan de la notion d'orthographe numéro 10, les mots en « et »,« t », »,« tié ». Premièrement, la plupart des noms féminins se terminant par le son « et » s'écrivent « et e ». Exemple, une idée, une fée, sauf le mot clé. Deuxièmement, la plupart des noms féminins se terminant par « t » ou « tié » s'écrivent sans « e ». Exemple, une célébrité, la surdité, l'amitié. Troisièmement, attention, quelques exceptions et les noms qui indiquent une quantité ou un contenu s'écriront avec « et e ». Exemple, une portée, la dictée, une pelletée. Quatrièmement, certains noms masculins se terminant par le son « et » s'écrivent « et e ». Exemple, un musée, un trophée, le lycée et le scarabée. À présent, un petit quiz flash pour t'entraîner sur la notion. Complète avec « et » ou « et e ». Cette partition révèle une grande diversité de notes. Diversité et. Nous nous sommes parlé en toute amitié. Amitié et. Le compositeur a fait son entrée sur la scène. Entrée et e. Il a fait preuve d'une grande liberté dans ses compositions. Liberté et. Il place les notes et la clé de sol sur la portée avec une grande habileté. Clé est une exception. Et seulement. Portée est également une exception. Et e. Et habileté et régulier, et. Il compose devant une belle flambée, et e. Ce musée rend hommage à Beethoven, musée non masculin, mais c'est une exception, et e.